Nous sommes ici à la fin des années 40 aux USA. Le jazz est maintenant joué par tous, y compris les musiciens blancs. Leurs homologues noirs voient des bandes se former comme du chien-dent et se disent « Ah bah ça peut plus durer, ça ». Le bebop naît de cette radicalité, de ne pas souhaiter être joué ni écouté par les oppresseurs. Les jazzmen noirs ont fini d'être les beaux prêteurs. Ils définissent leur particularité. Tempo rapide, musique accidentée qui palpite sans ornementer. Le bebop s'inspire et se nourrit de la lutte. Il est un choix politique adulte. Il définit sans cesse ses contours. Ici, on n'amuse pas. On joue Dizzy Gillespie et son bebop. Il y a dans sa musique autant de vie que de révolte, même assis ici, à Andernos, on peut y croire. On peut faire ensemble une grande nuit d'un petit soir. Black One. Thank you.
Thank you.